Salut Karine. Hello Pat, ça va? Ça va et toi? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Oh, Baba Yaga. Oh, Blue Movie. Contra Natura. Ah, c'est et bien ben, ça. Eh, tu vas en avoir des cartons à faire le jour où tu déménages. Lien. Transition. Property. Voilà, de Penny Allen. 1979, l'année de sortie, pas l'année de la production. Et 79, c'est quoi? L'année de Alien. Nouvelle collection quand même, les Sœurs Lumière, on vous en a déjà parlé, en collaboration avec Elephant Film, nos amis éditeurs vidéo, Splendor Film et Marie X, nos amis distributeurs ciné. Donc Property, c'est le numéro 4. Bien, j'ai pas eu le temps de compter, hein. Faut un peu de temps quand même. Donc le pitch du film, c'est très simple. C'est, nous, on aime les choses simples parfois aussi, c'est important. Un message simple est un message assimilé. Donc, dans la banlieue de Portland, tout un quartier est voué à la démolition. You seen the sign? What sign? The city block God for sale damn, sign. Damn, son of a bitch! This city block too, man. What the hell? What the hell's going on, Butch? Oh, I don't know. You know how long I've lived in this house, man? Well, you and your family have lived here a long time. Yeah, off and on all my life. Et donc les habitants du quartier sont expulsés de chez eux. Donc ils s'organisent en communauté pour racheter en fait les maisons dans lesquelles ils vivent depuis des années et qu'ils veulent pas quitter. Shouldn't the people who want to live or who live in the neighborhood be the people who own it? Sure. I mean, the men that I live with in our collective, we want to find a neighborhood where... Yeah, well, I think we should talk about the money. Ça serait pas un sujet social assez actuel encore, hein? Mais oui, la gentrification. Voilà, c'est-à-dire des quartiers qui deviennent, qui sont bourgeoises. Exactement. Et donc là, Penny Allen, elle habite à Portland, elle tape dans le mille, en fait, elle filme ce qu'elle vit à l'époque. Et oui, elle est au cœur du sujet. Voilà, et donc comment une communauté de marginaux, de couples avec un enfant, de musiciens, d'acteurs, de poètes, voilà, vont s'organiser pour finalement accéder à un truc qui leur paraissait inenvisageable, voilà. Utopiste. À la propriété. Exactement, Property. Et voilà, et c'est un film important, c'est un film social, c'est un film sur l'économie, c'est un film sur les gens en tout cas. Oui, et qui a posé les bonnes bases du cinéma quand même indépendant américain, on peut dire. À Portland, c'est quand même un vivier d'artistes dans tous les pans artistiques, cinéma, poésie, musique. Et il y a quand même aussi Kelly Richard qui a tourné la plupart de ses films à Portland. Et donc, petite anecdote quand même. Oui, s'il te plaît. Gus Van Sant a fait ses premiers pas en tant qu'ingénieur du son. Exactement. Sur ce film. Ouais. Voilà. Et il y a aussi un personnage important dans le film, qui est poète. Walt Curtis. Voilà. Originaire de Portland, auteur de Malanoche. Donc, Gus Van Sant, est-ce qu'ils se sont rencontrés sur le tournage? Est-ce qu'ils se connaissaient déjà d'avant? Mais bon, il y a quand même un début de collaboration. Exactement. Et le premier film de Penny Allen avait reçu un prix au premier Festival de Sundance. Exactement, donc, il n'y avait pas encore de classification, mais c'était, voilà. C'était le prix. Exactement, donc une réalisatrice importante à redécouvrir. Et elle est très engagée dans l'écologie aussi, elle fait des documentaires dessus. Son prochain film va être tourné là, sur la Côte d'Azur, à la fin de l'année. Elle habite à Paris, donc on espère pouvoir faire des petits événements avec elle, des signatures, voilà. Des choses comme ça. Donc où que vous soyez, rejoignez-nous, venez nous dire bonjour à Penny, aux distributeurs.